c'est Fitz. Bienvenue dans les nouveaux locaux de, entre autres, Fitz et du Brasseur. Aujourd'hui, je vous montre un petit peu à quoi ressemble ma nouvelle entrepôt et les nouveaux studios d'enregistrement qu'on va avoir pour le channel Fitz et le channel du Brasseur. Comme vous pouvez le constater, c'est très, très, très éco présentement. Fait qu'on va avoir de l'amélioration à faire pour ce côté-ci. Alors, les nouveaux studios sont présentement en construction. On a beaucoup d'ouvrages à faire présentement, même pas de lumière, on utilise une petite lumière. On se trouve présentement où qu'on va être pour filmer nos prochains tutoriels sur le brassage, sur le café, le whisky, les cigares. Une autre place aussi où qu'on va avoir nos podcasts. Oui, les podcasts reviennent à grands pas avec la pandémie, c'est un petit peu compliqué de se déplacer. Alors, on a décidé de faire des nouveaux studios pour pouvoir accueillir certains brasseurs qui vont se faire ici présentement et d'autres surprises qui arrivent à très grands pas. Alors, on est en pleine construction de l'entrepôt et du studio parce que nos entrepôts, ici en bas, qu'est-ce que vous avez vu par la suite? Se trouvent à être les nouveaux entrepôts qu'on va utiliser. On manque littéralement de place aux brasseurs. Et c'est important pour moi d'avoir beaucoup de matériel pour vous. Et vu que présentement, il y a beaucoup de monde qui brasse, ben, je voulais avoir encore un petit peu plus de choses en magasin, alors on a pris un entrepôt. Par la suite, ben, on va monter au deuxième étage pour pouvoir faire les studios d'enregistrement qu'on va avoir maintenant juste pour vous. On va quand même garder le studio de Fitz qui est dans ma maison. On va quand même avoir un petit studio d'enregistrement au brasseur. Mais ça va devenir principalement une salle de brasse. Beaucoup de nouveaux projets qui s'en viennent. Pour ce côté-ci, ça va être vraiment côté entrepôt en bas. Fait qu'on a la possibilité d'avoir du racking sur le côté. Je suis en recherche de racking pour pouvoir mettre mes palettes dessus parce qu'on commande en plus grosse quantité que quand j'ai ouvert là 4 ans. Mais le nouveau local que j'avais pris, il est trop petit encore. Il y a du stock jusqu'au plafond. Les bouteilles prennent beaucoup de place. Le grain prend beaucoup de place. On commande en grosse quantité. Alors, en ayant un entrepôt ici, ça va nous permettre d'avoir une plus grande facilité. Et vous savez qu'on a parti une nouvelle compagnie de café qui est Fitz Café. Ben, les locaux de Fitz Café vont être ici pour pouvoir peser et entreposer notre café. Ça va nous permettre de nous libérer un petit peu d'espace au brasseur et être capable d'avoir plus de place pour bouger. Et oui, ma nouvelle... Mon nouveau local, juste avant la pandémie, comme vous pouvez le constater, il est vraiment plein. C'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser la place que vous venez de voir pour vous aider et pour m'aider à aller un petit peu plus vite pour mieux me retrouver. C'est un beau problème, c'est un problème quand même. Fait que continuez de m'encourager, continuez d'écouter mes vidéos, continuez d'acheter au brasseur. Les petits dons, c'est tout le temps apprécié. Le petit 5$ pour vous fait peu de choses. Mais avec les nouveaux studios, on dépense énormément d'argent juste pour vous donner une meilleure qualité de vidéo. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir, partage en grand nombre, oublie pas de t'abonner, la petite cloche, pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis on se voit dans une prochaine vidéo, vos amis. Ciao! Dire aussi, si ça t'intéresse de voir comment je monte mon studio, les matériaux que j'utilise, si tu veux d'autres petits vlogs comme ça sur l'évolution du local durant le temps, tu as juste à me le dire en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous montrer ça. Et bientôt, vous allez avoir de plus en plus de vidéos sur le channel de Fitz. Ciao les amis!